commencement, il était seul. Et il se suffisait à lui-même. Être sans forme, sans couleur, inconditionné. Il n'y avait alors ni commencement, ni milieu, ni fin. Il n'y avait pas Dieu, pas de nuit, pas de jour. Il n'y avait pas de terre, ni air, ni ciel, ni feu, ni eau, pas de rivière comme le Gange et la Juma, pas de mer, pas d'océan, pas de vague. Il n'y avait ni vice, ni vertu, ni livres sacrés tels que les Védas, les Puranas et le Coran. Kabir réfléchit et dit, alors tout était silence et paix. L'être suprême demeurait immergé au sein profond de lui-même. Le maître ne mange ni ne boit, ne vit ni ne meurt. Il n'a ni forme, ni couleur, ni vêtements. Il n'est ni d'un clan, ni d'une caste, ni de rien. Comment pourrais-je décrire sa gloire? Il n'a pas de forme, mais cependant, il n'est pas sans forme. Il n'a pas de nom. Il n'est pas coloré, il n'est pas incoloré. Il n'a pas de demande.